Coucou, coucou, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les avis sur les airs. Alors ici on est dans une aire privée, c'est un petit peu différent. Il y a des services aussi, je vais vous en dire un petit peu plus. Mais comme le lieu vaut vraiment le coup d'être visité, je vais commencer par faire une petite visite. Vous voyez, on a des potes coqs derrière nous. Donc je vais vous faire le tour un petit peu de la propriété et puis après je vous en dirai un petit peu plus. Voilà, donc ça c'est l'entrée. Là pour les poubelles. C'est nous. Là c'est pour les WC. Là, c'est Mani. Elle boit les coiffes françaises. Et regarde là, il y a les petites chèvres. Et les moutons. Il y en a d'autres. Ah, mais voilà, il y en a d'autres là, regarde. Et là aussi. Là, bonjour. Voilà. Ah, il y en a deux en fait. Bah oui, bonjour, tu viens dire bonjour, salut, salut, coucou, oh bah chouette alors, tu nous parles, ça va? Tu dis bonjour, coucou, t'as vu, t'es toute mignonne, hein? Oh bah oui, ça va? Donc il y a ça, je vais laisser la chef discuter avec Mané. Et puis, bah voilà, il y a aussi tout ça. Plein de petites poules, des coques. Des petites poules rigolotes avec les poils longs, là, c'est marrant comme tout. Oh, bah alors! La chèvre est pas contente. Voilà. Et là, il y a même un faisan doré. C'est très très joli. Coucou. Ça va toi aussi? Toi aussi, t'es mignonne. Voilà. Et puis bon, ça c'est le reste de la propriété. Eux, ils font aussi chambre d'hôte d'ailleurs. Et petite table de pique-nique. Voilà. Et barbecue au fond. Voilà. Puis la petite rivière. Alors, on peut se balader aussi là. Ah, puis, voilà les chèvres là. Ben, décidément, ça va. Il doit froid qu'on va leur donner à manger. Ça va, bah oui, je suis désolée, on n'a rien pour toi, ma pauvre. Hein. Bah ouais, hein. Et puis un petit plus loin là sur la gauche, il y a une bulle dans laquelle vous pouvez dormir. Il y a même un jacuzzi et vous dormez donc à la belle étoile dans une bulle. Bon bah salut, hein, vous allez faire la sieste? Allez, bon, bye bye, hein. Chèvre et mouton, voilà. Bon, salut. Donc ça, c'était pour la faune locale. Il y a l'autre aussi. Et puis, bah voilà, vous pouvez aussi louer des kayaks. Même propriétaire. Donc voilà, le petit spot. Alors bon, on va vous en parler un petit peu mieux maintenant en détail. Alors donc, on est à Crécy-sur-Serre. Alors Crécy-sur-Serre, pour ceux qui ne savent pas, moi je ne savais pas, ça se trouve dans l'Aisne. Et en fait, on est à peu près une dizaine de kilomètres de l'autoroute A26. Donc on est très légèrement sorti de l'autoroute et nous on va vers le nord et donc il y a une autre route pour repartir. Donc en fait, si vous allez dans cette direction,
vous voulez couper le voyage parce que c'est assez long, c'est un bon endroit, ça vous fait très peu sortir et c'est vraiment très zen, très calme, et donc pas très loin, donc à Crécy-sur-Serre. Alors, c'est une aire privée, il y a quelques services, le monsieur nous fait payer 5 euros la nuit, donc ça il faut aller le voir et puis lui payer, lui régler ou en arrivant ou avant de partir. C'est un ancien camping-cariste, il nous a dit. Donc, il connaît un petit peu les besoins de tout. Et il a organisé ici sur le site Camping Car Park. Ils disent que c'est pour 3 places. Il nous a dit ce matin qu'on pouvait avoir l'électricité si on voulait. Il fait payer 3 euros de plus. Et si on veut remplir d'eau, c'est aussi 3 euros. Et le bac que vous voyez là, c'est pour vider les cassettes de WC. Donc ça, c'est possible aussi. Juste derrière, là, il y a les poubelles, juste à l'entrée, avec le tri hein, pour verre, plastique et puis les déchets normaux. Et puis, donc nous, on s'est posé, on n'a pas pris l'électricité aujourd'hui parce qu'on n'avait pas besoin, donc c'était très bien. C'est super calme. On a entendu le coq ce matin un petit peu, mais bon, ça, c'est vraiment pas un problème. C'est aussi très, très bien. On a vu une très belle nuit parce qu'il n'y a pas de lumière, donc on a pu profiter des étoiles. C'était vraiment très, très chouette. Et puis, bon, bah, vous avez vu dans le tour que vous êtes entouré par des êtres sympas qui viendront vous dire bonjour et tout. C'est vraiment très cool. Nous, on a trouvé ça très sympa. Et pour 5 euros, je pense que c'est pas mal du tout. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qu'on voulait dire. On a fait tout le tour. Bon, bah voilà. Alors maintenant, je vais laisser la place à Mané pour vous faire la version en anglais. In English. Hello, so we are in the parking space of Crécy-sur-Serre. It's located just a few kilometers from the auto route or the Moto. motorway, the A26. And it is very, very nice, very calm. It's private. It's a person who owns the area and lets the motorhome stay. It's a person who he himself and his family owned before motorhomes. It has three places. That's what it is, you know, but we had no problems when we got here. I don't know how busy it gets in other times, but it was very nice. It has all beautiful animals. You're gonna see, like you see, you're gonna see in the video that you're gonna have. There's one beautiful golden pheasant, and their goats Goats. and sheep, and you know, it's a very nice area, and it's right beside the Serre, which is the river, and it's 5 euros for staying for the night, and he has, if you need it, he has ways to provide you with I think water for a certain cost. I think it's 2 euros, 3 euros, and then I think even electricity if you need, and it's 3 euros also. And you have here for the dark waters, you can do it there. Also, and you would have to ask because we at the moment don't need to use any of the services, but he has the opportunity to do that. And then he has for glass, for recycling, for trash. It's a really, really cozy region, and it's very convenient if the auto route, if you're going to the area of Dunkirk and Calais, this is the other, Kelly. and Calais, that area. So it's out of that high auto route Motorway. motorway, Or mo highway. motorway or highway. Okay, of the motorway. So it's not far from there. So it's convenient if you are going north that way or south that way. This is a very good place to stay, and we enjoyed it. We stayed one night, and we enjoyed it. And you're gonna see the description. Well, not the description, but a little bit more of it in the beginning or in the video. Okay, I think that's it, right? Okay, ciao.